Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'épisode numéro 13 de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Master of Time. Notre nouvelle aventure actuelle, un nouveau mode, oui, de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et on peut aussi dire du coup Majora's Mask, puisque de toute façon ce jeu-là est censé, en tout cas artificiellement, se placer après les deux. Et on est actuellement dans un temple qui nous a fait rabouger la dernière fois, si tant est que les énigmes hautement placées étaient assez casse-couilles, hein, on peut le dire assez vulgairement, clairement. Ouais, j'en ai beaucoup ragé, hein, c'est clair. Et je pense que je suis pas au bout des surprises, puisque nous n'avons pas terminé le donjon, en effet, puisqu'il nous faut obtenir, comme vous le savez, le médaillon du feu qui se trouve à l'intérieur. On a obtenu un nouvel item, les bombes. Alors, ils ont donné un sac avec 15 bombes, alors que normalement c'est 20. Ils aiment bien les chiffres qui finissent par 5, hein, il faut croire, hein, puisque 25 pour les flèches, 15 pour les bombes, même les rubis, hein. Bon, c'est pas tout le temps le cas, mais voilà, hein. Vous comprenez un peu l'idée, ils ont voulu un petit peu déstructurer le jeu. Mais on va essayer de s'en sortir, écouter, et du coup on va continuer notre exploration et obtenir ce satané médaillon. Et avant toute chose, puisqu'il faut bien commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque comme vous le savez, c'est très important pour participer eh bien au référencement de la chaîne, hein, tout simplement. Et donc du coup, un simple petit coup sur la petite cloche, eh bien, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas. On se rapproche de l'objectif actuel qui est 160 abonnés. Il n'en reste que 6. Hein, donc 6, c'est largement faisable, en tout cas pour l'objectif en cours. Mais ce sera loin d'être fini, il y aura beaucoup d'autres objectifs à atteindre après, vous vous en doutez. Mais on va faire ça petit à petit, et en tout cas je rappelle qu'au bout des 160 abonnés, vous aurez hein, réellement la possibilité de choisir un contenu qui sera mis à l'honneur dans une vidéo. Si quelqu'un se distingue à ce moment-là, il aura la possibilité de choisir. Donc ne surtout pas hésiter, du coup, ça vous met en avant indirectement, puisque je ne fais pas de contenu comme des lives, hein, où vous pouvez chatter en direct. Peut-être que ça arrivera un jour, ah, sait-on jamais. J'ai pas assez de public pour ça, malheureusement. Mais un jour, ça se fera, je vous le promets. Donc raison de plus, voilà, pour s'abonner. Plus il y aura de public, encore une fois, c'est ce que je recherche évidemment sur la chaîne, et bien plus participerai activement. Voilà, je ne fais pas ça pour autre chose en tout cas. Donc du coup, on est tout de suite parti. Alors du coup, il faut trouver des endroits où on pouvait pas passer à cause des bombes, en fait, tout simplement. Ah, attendez. Ah. Ah, on passera jamais là. Voilà. Ah non. Je crois avoir compris. Il va falloir remonter. En fait, là, l'autre, il y a une autre entrée. Oh putain. Ah, ça m'énerve, hein, parce que je me suis trompé de direction. Attendez. Pas de panique. D'ailleurs, ce qui est bizarre, mais c'est que quand je suis rentré dans la porte de derrière, il n'y avait pas le. Il n'y avait plus le moblin. Tu sais, le gros moblin avec la grosse masse, il a disparu, il n'y avait que les deux dongos. Peut-être que j'ai provoqué quelque chose qui les a fait fuir, je sais pas. Enfin bref, on va pas chercher à comprendre.
en train de crever là. Non, en réalité, l'autre entrée est à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils m'ont ramené là. Ils sont pas fous, hein. Ah bah voilà. Alors. En fait, c'est la véritable entrée. Où il y a le médaillon. Ah oui, d'accord, c'est des bâtards. Hein. Ok. Là, non. Non. Ok, celui-là seul. Et de deux. Et de trois. De quatre. Et le dernier, il est. Il est à l'entrée. Là. Ok. Très très malin. Oh là là, quel enfer ce truc. Alors attends. Donc là on peut que passer là. Je peux rien faire. Là. Bon. On va se la prendre. Après, on va regretter de pas l'avoir prise. Bah, comme elle est plutôt accessible, on va dire. C'est une vraie porte, ça, ou pas? Je me méfie, hein, à force. Oh non, putain, vous faites chier avec ça. Ah, je vois pas. Ouais, j'arrive pas à le viser. Mais il est où? Il est où? Là? Faut savoir où il est? Bah. Oui. T'es où, mon petit? Oh, ça.
Ah, y'a un glitch? Ah, ça a glitché? Sérieux? Oh, je vais être obligé de revenir en arrière. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Pourquoi ça a glitché d'un coup? Je peux... En fait, c'est par rapport à l'orientation que j'avais avec la caméra. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah, ça veut dire que je vais devoir tout recommencer? Oh, c'est chiant, putain! Je vais commencer par lui. Donc là, je suis tranquille. Ah, c'est... Putain. Ah, j'ai fait glitcher le jeu sans faire exprès. Pas trop ce qui s'est passé, j'avoue, là. Ouais, je pouvais pas savoir. Hein. Alors. Bon, cette fois on va pas se faire avoir une seconde fois de la même manière. Par contre cette fois je fonce. Donc j'arrête d'être hésitatif comme je le fais à chaque fois. Bon bah désolé de cette petite perte de temps. J'ai pas compris hein. Surtout que j'entendais le truc hein, mais bon. Ou je pense qu'à mon avis il a juste disparu en fait. De mon champ de vision, mais il était bel et bien là. Hein. Bon, cette fois, mon gars... Allez, première manche, c'est good. Ah, putain, connard! J'arrive pas à l'attraper! Eh putain! Mais c'est une folie de pas arriver à l'attraper! Allez, faut le tuer, les mecs. Oh, punaise. Bon, bah écoutez. C'est quoi ça encore? Oh. C'est quoi ça? Une porte fermée, d'accord. Il y a un bloc. Il y a des dodos par terre. Donc ça, c'est un bloc bleu qui fait quoi? Ouais. Bon là on sait pas trop quoi faire. Si ce n'est faire ça. Oh.
Je sais pas trop à quoi ça sert. Et ce bruit qui me casse les oreilles, hein? Putain. Ah! J'avais pas vu. Ah. Comment est-ce que tu fais ça? Il faut essayer de se débarrasser de ça. C'est bon. Je pense qu'à mon avis... Je sais pas s'il faut tirer sur les caisses ou pas. À cette distance, je les atteins jamais. Oh là là, comment est-ce que tu fais ça? What? Est-ce qu'il peut... Attends. Oh, il est toujours vivant. C'est bon, lui, il est mort. Ok, bon. Je sais pas si ça servait à quelque chose. Bon, ouais, il me crache pas dessus. Alors, c'est pas très clair, parce que là, je peux absolument rien atteindre. Alors, du coup, le bloc qui est là... Bah, il est un peu isolé, il s'effondre tout seul. Pourquoi il me sert? Surtout qu'il y a trois blocs. Trois blocs, trois interrupteurs, pardon. Je comprends pas trop l'intérêt, hein. C'est inatteignable. Alors, à moins de... Ouais, je comprends pas l'idée, hein. Aucune idée, Attendez. Est-ce qu'il y avait une autre porte, ici? C'est quoi, ça? Ah, d'accord. Ok, bon, là, il n'y a rien à faire ici. En raccourci, bah ça, en vrai, ça marche pas de quoi. Hein. Ah, mais ils sont revenus à la vie. Bon. Bon, cette fois, on va se concentrer sur cette pièce. Alors, la grille, là-haut... Aïe! Alors là... Je vais me débarrasser de l'autre, puis après je vais réfléchir. Voilà. Ok. Alors, ce que je comprends pas, c'est... Parce que même... Bah, il a... Encore une fois, attends.
Voilà, tu n'atteins absolument rien à cette distance. Hein. Ah, attends. C'est pas ça que je vais faire. Ça fait quoi ça? Ah. D'accord, oui. Et donc? C'est censé m'aider à quoi ça? Ah! Alors là, c'est un mystère. Que j'essaie de comprendre cette histoire-là. Comment ça se fait que je n'ai qu'une fée dans un flacon? J'étais pas censé en avoir deux. Ah non, parce qu'au moment où j'ai rechargé la partie. Ah bah ouais. Ah putain, mais j'en ai marre d'avoir la poisse comme ça, mon sang de merde. Oh. Alors là, par contre, je ne comprends absolument pas. Ah, attends. Est-ce qu'on peut pas, genre, tricher? Je tente quelque chose, hein, au point où j'en suis. Vas-y. Oh les petits bâtards! Oh qui m'ont ramené les petits machins là. Attends, ça. Ok. Alors là, pour comprendre comment il faut faire, bon courage. Hein. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est n'importe quoi là. Hein. Faut quand même pas déconner, hein. Ah! D'accord. Je comprends mieux pourquoi le bloc descend. Ok. Bah sinon il serait monté. Attends. Faut qu'il bouge de là, là! Putain! Bouge! Je t'ai dit de bouger, tu bouges! Non mais... Ok, bon. Maintenant qu'on sait où chercher... Ah! D'accord. Donc, premièrement, on va en mettre un là. Ok. Ensuite, il va falloir en mettre un là-bas. Il a moitié encastré dans le sol, mais à part ça, tout se passe bien. Hein.
Allez, cette fois on est pas mal. Ah! Ah, la caméra m'agace. Pas possible ça. Alors. Ok. Oh. Alors, avant de faire une connerie. On n'est pas censé pouvoir détruire la caisse à cette distance. Raté. Bon bah là. Il va falloir calculer le... Attends, faut se mettre bien droit, mais la caméra me casse un petit peu la tête là. Oh, c'était pas si loin. Ah, c'est... En fait, c'est lancé trop fort. Attends. Oh, mais attends. Oui. Voilà. Allez. Vous savez ce qui va se passer maintenant? Voilà ce qui va se passer. Bon, c'est pas grave, hein, au moins la feuille aura servi. Allez. Mais qu'est-ce que c'est encore maintenant? C'est quoi ça? Oh non! Alors. Attendez, avant que je rentre là-dedans. Ah, mais jusqu'au bout, en fait, ils vont me piéger, là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, attends. Ah, d'accord. Mais oh! Combien? Deux boules. Je vois rien. Attends, j'arrive pas à bouger. C'est très peu malléable. Et là, je regrette de ne pas avoir...
Qu'est-ce que c'est encore ce truc? Je comprends pas là ce qui vient de se dé... Alors je peux me donner du temps devant moi, mais... Mais c'est quoi? Ah! Oh! Alors attends. Bouge. Ok. Tac. On va y arriver. J'espère. Bah finalement. Oh, la caméra à chaque fois! La caméra me perturbe en permanence. Mais je peux bouger, oh! Non, oh, c'est infernal. Incroyable. Alors là, il va falloir être très très malin, parce que sinon, je vais me prendre toutes les boules dans la tête. Ok, d'accord. Ah, laissez-moi tranquille maintenant. Non, non, me suis pas, me suis pas, me suis pas. Elle me suit, cette boule! Elle me suit! Attends. Non. C'est quoi ça? Cette façon d'ouvrir un coffre. D'accord. Et donc? Tu veux que je fasse quoi maintenant? Alors, je sais pas du tout où est la porte. Hein. À part en crever, moi, je vais crever, ça c'est sûr. Pas si la porte se trouve là ou pas en fait. C'est pas du tout. Sais pas ce que je suis en train de faire. Je sais pas. Je n'en sais rien. Bon. Où se trouve cette porte maintenant? C'est la grande question que tout le monde se pose. Surtout moi. Pourquoi ils m'ont foutu là? Sais pas trop.
Je sais pas du tout. Donc je propose qu'on s'arrête là du coup pour cette fois-ci. Et la prochaine fois, on va trouver le moyen d'en finir une bonne fois pour toutes avec cet endroit. Et encore quelques complications, hein. Mais on va y arriver, j'en suis sûr. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et on se retrouve donc, comme je l'ai dit, très prochainement pour la suite. N'oubliez pas les petits abonnements. Le référencement est important. Les petits commentaires, ça fait plaisir aussi. Et à très vite pour la suite. Ciao.